Salut à tous, bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, nous allons donc voir enfin les mises à jour de Bunk de l'UNDAPT 26. Et oui, ces mises à jour qui sont arrivées ce mardi 24 à 20h30. Nous allons voir de quoi il s'agit et de quoi vous allez pouvoir bénéficier sur votre application de chez Bunk. C'est parti, UNDAPT 26, juste après le générique. Et oui, ce mardi 24 septembre 2024 à 20h30, ça a été l'UNDAPT 26 de chez Bunk. Bunk qui, comme à chaque fois, apporte son lot de nouveautés auxquelles il travaille pendant 3-4 mois sur ses nouveautés, sur ce que peut penser le client auquel il aimerait qu'un Bunk ajoute sur sa partie néo-bancaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas Bunk, Bunk est une néo-banque qui apporte donc 4 offres, d'une offre EasyBank. EasyBank Pro, EasyBank Pro XL et une offre Easy Saving de 0€ à 18,99€. Elle embarque donc deux cartes bancaires que vous voyez ici, une carte endossage de crédit que je vous montre ici avec un endossage. Je ne parle pas que c'est une véritable carte, c'est une tout ou presque carte équivalente à la carte de débit différé. Et ici vous avez la carte de débit à contrôle de solde. Mais il faut savoir que ces cartes-là ne sont pas qu'à contrôle de solde, ils sont quasiment quasi systématiques. Car ces cartes comportent le offline. On appellera des cartes quasi systématiques. Ce qui fait que la carte la plus convoitée est donc celle à endossage de crédit. Car c'est la carte qui sera la mieux acceptée là où vous vous rendrez. C'est-à-dire sur Internet ou sur les boutiques, les commerces auxquels vous allez payer avec votre carte bancaire. Ces fameuses cartes bancaires apporteront la possibilité de pouvoir louer et de pouvoir faire du 4 fois son frais grâce à son endossage. Mais avec la carte de débit, vous êtes à l'équivalence de ce qui se fait maintenant de plus en plus en France, la carte de débit à contrôle de solde quasi systématique. Chez Bunk, la dernière UNDAPT 25 était centrée sur le voyage et Bunk nous avait donc apporté Tricount qu'il avait donc racheté un peu le système de chez Lydia, auquel Lydia, fais-moi Lydia, je te rembourse, existe grâce à ces deux applications, l'application bancaire et l'application quasiment Lydia. Qui Lydia, vous faites un Lydia, vous vous faites rembourser. Et bien Tricount, c'est le même procédé. C'est quasiment le procédé auquel vous partagez vos dépenses à plusieurs et vous faites rembourser grâce à Tricount, auquel vous pouvez avoir une carte bancaire gratuite ici, endossage de crédit pour pouvoir recharger cette carte et faire des paiements avec cette carte quasiment. Alors, dans cette UNDAPT 26, il y a eu beaucoup de choses. La partie UNDAPT 26 a duré 30 minutes, car il faut savoir, comme à chaque fois, Bunk fait ses démonstrations de ses mises à jour, de ses nouvelles nouveautés à travers un live direct sur YouTube, pour que toutes les parties, tous les clients qui ne peuvent pas venir sur place aux Pays-Bas, à Amsterdam, rencontrer Bunk pour voir en direct les mises à jour. Vous avez tout cela en live sur YouTube. Vous pouvez donc consulter sur YouTube la page officielle de Bunk, sa chaîne, auquel cette partie live est encore disponible. Donc vous y verrez ce que Bunk a pu ajouter directement sur son application. Alors, hier on a été surpris car Bunk a fait un petit point où il a été sollicité par une société qui les a annoncés comme étant la meilleure best fintech aux Pays-Bas. Donc ça c'est un point où ils le font comme à chaque fois, ils nous disent un petit peu ce qu'il y en est sur l'évolution de Bunk. Ensuite, ils nous ont présenté quasiment l'équipe qui était prise en photo via quasiment les bureaux de chez Bunk, auquel vous y voyez les bureaux de chez Bunk, et qui ils nous ont annoncé qu'ils recherchaient du personnel, qu'il y avait des offres d'emploi. On pouvait postuler directement si on souhaite devenir quasiment une personne travaillant chez Bunk, on peut postuler via les offres d'emploi car Bunk recrute. Donc si vous êtes un banquier qui recherche une nouvelle conversion,
Si vous êtes à la sortie des écoles auxquelles vous êtes dans le domaine de la finance et de la banque, eh bien, Bunk peut peut-être vous intéresser pour pouvoir intégrer les nouvelles solutions. Voilà. Donc, Bunk, c'est les offres d'emploi qu'ils proposent quasiment via leur site web. Voilà. Vous pouvez donc postuler si vous souhaitez travailler chez Bunk. Alors là, on a été surpris parce que l'annonce a été faite de suite, mais ça a été pris d'ampleur, ça a été tellement rapide que cette partie-là a été vite prise d'assaut. Bunk a annoncé ce que vous voyez ici, la carte métal, son grand retour avec une version limitée à 1000 exemplaires. Qui 1000 exemplaires ont été directement en une espace d'heure pris d'assaut dès la sortie de la mise à jour. Donc 1000 cartes limitées qui ont été vite pris et vite disparues. Mais Bunk n'a pas laissé ça comme cela. Il propose un grand retour de cette fameuse carte métal qui ne sera pas limitée bien évidemment, mais qui sera de retour dans son application, une black métal, une black métal qui nous change un peu de la couleur blanche, qui limitée comportait donc la signature officielle de Bunk et la date de votre inscription de votre compte auquel vous êtes depuis plusieurs années. Mais la carte métal étant là, elle a fait son grand retour. Je ne sais pas pour combien de temps, puisque Bunk l'a mise en place, ils ont fait un grand retour avec la carte métal. Un point que j'avais souligné quand nous avions eu un petit entretien via une conférence, voilà, en conférence visuelle, nous avions eu un petit entretien, j'avais souligné que vous aimeriez revoir cette fameuse carte métal. Chose faite, carte métal fait son grand retour. 99€ la carte métal, son prix. Vous la payez en une fois et la carte métal vous est envoyée à votre domicile. Ça, c'est la première partie de cette mise à jour qui est arrivée de cette date 26. Ensuite, Bunk a donc revisité un petit peu Tricount pour faire accepter le côté compte bancaire de chez Bunk. Maintenant, si vous êtes client de chez Bunk et que vous utilisez Tricount, vous pouvez intégrer directement votre compte Bunk à Tricount et bientôt sera disponible d'intégration en France toute partie de compte auquel vous avez par exemple Bourse Banque, Monabank, votre caisse d'épargne, votre crédit agricole, vous pourrez les intégrer à Tricount. Ça, c'est une partie que Bunk a donc revisité sur Tricount qui depuis l'UNDAP 25 a racheté Tricount qui maintenant fait désormais équivalence à Lydia. L'application Lydia, fais-moi Lydia, je te rembourse. Voilà. Donc ensuite, ce n'est pas tout. Quasiment Finch, l'intelligence artificielle que Bunk a mis en place, le petit robot auquel vous posiez des questions, qui n'avait pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faisait des petites recherches sur quasiment un paiement ou sur quasiment une petite partie auquel vous souhaitiez avoir des informations. Finch a donc été revisité puisque Finch maintenant est intégré aussi bien pour la partie voyage que pour la partie budgétisation. Finch peut vous aider à contrôler votre budgétisation, c'est Finch qui prend en charge. Mais Finch, si vous êtes en voyage, peut vous apporter quasiment des lieux auxquels certaines personnes ont visité et qui pourraient vous intéresser. Un petit peu un genre de conciergerie, si vous souhaitez, mais qui n'a pas la partie conciergerie, mais qui peut vous faire bénéficier de Finch pour vous trouver des lieux auxquels certains clients de chez Bunk ont partagé via l'onglet, comme vous le voyez ici, l'onglet voyage. Donc Finch a été revisité pour ce côté-là. C'est un bon point car Finch apporte aussi donc une meilleure, on va dire, partie au niveau, quand vous posez votre question au niveau d'une recherche, par exemple, pour une information ou bien pour une recherche de paiement, Finch a aussi été revisité. Il recherche plus facilement maintenant vos questions qu'elle vous lui posez. Donc Finch, petite partie revisitée et intégrée à la budgétisation ainsi que pour les voyages. Donc c'est une très bonne partie.
La troisième, ça va faire des heureux. Troisième mise à jour qui vont faire des heureux. Là, cette partie-là, troisième partie, je parle, quatrième partie, puisque nous sommes à la quatrième partie, qui va faire des heureux. Et ça, c'est Revolut qui a lancé le premier ce débat. Et oui, puisque Revolut l'a quasiment créé. Il l'a créé lui-même, puisque Revolut est devenu un opérateur mobile, puisqu'il intègre sa eSIM, sa propre eSIM, avec des forfaits auxquels vous achetez un forfait pour avoir une connexion Internet quand vous partez en vacances. Et Bebunk, il prévoit maintenant que vous voyez ici une eSIM 2GB. eSIM 2GB pour les offres EasyBank et EasyBank Pro. Vous avez 2GB qui vous sont offerts quasiment avec une eSIM. Pour vous connecter à cette eSIM, c'est très simple, vous le voyez ici. Vous devez vous rendre dans l'onglet voyage avec le petit avion dessus, vous cliquez dessus. Comme vous le voyez, vous descendez jusqu'en bas, c'est que vous voyez les petits pays qui s'affichent, auxquels vous avez le descriptif de votre carte, de ce que vous pouvez visiter, si la carte vous devez retirer de l'argent ou pas. Vous cliquez dessus, vous choisissez l'un des pays auxquels vous vous rendez, par exemple la Suisse, comme vous voyez là. Et dans cette partie de détails, auxquels ils vous disent ce que vous pouvez faire en Suisse, si vous devez retirer de l'argent ou pas, si votre carte elle passe ou pas, vous y verrez un petit bandeau écrit eSIM. Vous téléchargez cette eSIM si votre smartphone est compatible eSIM, iPhone ou bien Samsung qui sont compatibles eSIM, vous la téléchargez, elle va se mettre en place sur votre partie réseau, vous n'aurez rien à faire, et vous allez avoir quasiment un SMS qui va vous arriver sur votre mobile qui vous dit que vous avez téléchargé cette eSIM. Ensuite, il faudra bien vous rendre, comme vous le voyez ici, dans les paramètres de votre partie où vous allez tout au fond de l'application, auquel maintenant vous allez voir vos paramètres. Je dis les paramètres, c'est avoir, c'est que vous allez avoir le centre d'assistance, c'est que vous allez avoir votre offre qui va s'afficher, etc., etc. Vous allez avoir ici dans cette partie-là paramètres où vous trouverez toutes vos informations. La partie eSIM avec un code eSIM que vous allez devoir cliquer, coller, copier, coller. Et vous rendre quasiment sur la partie eSIM que vous avez téléchargée. Et là, quand vous allez avoir les forfaits qui vont s'afficher, vous allez devoir rentrer ce code et vous pourrez bénéficier des 2 gigas qui vous seront offerts par Bunk chaque année. Mais il faut savoir que les plus chanceux sont l'offre EasyBank Pro XL qui disposeront de 4 fois 2 gigas par an, ce qui vous fera 8 gigas par année que vous bénéficierez si vous êtes en EasyBank Pro XL. Donc moi je suis en EasyBank Pro XL, je bénéficie donc de cette SIM puisque je l'ai téléchargée bien évidemment et je dispose de 4 gigas puisque j'ai droit à jusqu'à 8 gigas puisque c'est 4 fois 2 gigas en offre EasyBank Pro XL. Voilà, donc ceux qui sont en EasyBank et en EasyBank Pro, vous n'aurez que droit qu'à 2 gigas par an. Voilà. Et après, vous pourrez choisir un forfait auquel vous aurez 90 centimes ou 90 euros d'économie par rapport à ce que vous faites avec votre forfait mobile hein, quand vous partez en vacances. Voilà, vous aurez des réductions. Par exemple, 3 euros, 3 dollars, voilà, 3 dollars 99. Pour 7 jours, vous aurez 1 giga, etc., etc. Je vous présente un petit peu le forfait eSIM que vous avez ici. Voilà. Ensuite, la dernière grande nouveauté qui est arrivée dans cette UMDAP de 26 et qui j'en ai fait référence, auquel je pensais peut-être que ça pouvait être ça. Et encore une fois, j'ai eu raison pour cette partie-là. L'investissement est arrivé chez Bunk. Maintenant, vous pouvez investir à partir de 10 euros. Alors, c'est très simple. Quand vous ouvrez votre application, que vous l'avez mis à jour, dans les parties d'onglet que vous allez voir en bas, qu'elles vous allez choisir, avant, il y avait l'onglet arbre qui s'affichait. Maintenant, ce n'est plus l'onglet arbre qui s'affiche. C'est l'onglet investissement qui s'affiche. L'investissement bêta. Vous cliquez dessus comme je vous présente ici. Et vous avez ici directement l'investissement qui est à partir de 10 euros. Vous avez de l'investissement tel que l'on retrouve ça chez Trade Republic ou bien chez Vivid Money ou bien chez Revolut. Et là, on voit bien que Bunk n'a pas été bien loin. Il a écouté un petit peu ce que j'avais proposé moi quand on avait eu cet entretien. Mais aussi, je pense que beaucoup des Pays-Bas, puisque beaucoup des Pays-Bas sollicitaient cette avancée,
ont été prises en compte aussi pour que cette avancée soit mise sur cette application. Donc voilà, donc je fais un petit rappel assez rapide de ces mises à jour. Donc vous avez maintenant le retour de la carte métal qui est revenue. Une édition limitée qui n'a pas fait long feu car il n'y avait que 1000 exemplaires qui en espace de même pas 2 heures, les 1000 exemplaires ont été achetés. Cette carte métal est de retour pour 99 €. Sur cette partie, Tricount a été revisité. Vous pouvez maintenant intégrer directement le compte Bunk si vous êtes client de chez Bunk et que vous utilisez Tricount, l'équivalence de Lydia, fais-moi Lydia, je te rembourse. La partie eSIM qui est arrivée chez Bunk, une eSIM pour concurrencer Revolut qui a lancé sa eSIM pour quand vous partez en vacances, vous n'ayez pas à utiliser votre forfait mobile et perdre de l'argent car vous utilisez plus sur votre forfait mobile. Là, une eSIM avec 2 gigas offerts pour EasyBank et EasyBank Pro et jusqu'à 8 gigas pour EasyBank Pro XL par an. Voilà, 8 gigas, c'est déjà pas mal. Avec la possibilité d'acheter des forfaits auxquels vous avez un plan qui est proposé par la société partenaire de Bunk qui vous propose des forfaits pas très chers à partir de 2 euros, 2 dollars, 3 dollars, etc., etc. Voilà. Ensuite, la partie investissement qui est arrivée, c'est la dernière. Vous avez de l'investissement maintenant chez Bunk dans son UNAPT 26. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ces mises à jour. C'est une excellente présentation de Bunk cette fois-ci. Je n'en suis pas déçu. Car cette fois-ci, il y a une partie que j'ai faite pour vous qui a été prise en compte quand j'ai eu entretien. La carte métal que j'ai demandé a bien été là, elle est de retour. L'investissement que j'ai demandé, il est là, enfin nous avons de l'investissement. Et pour le reste, c'est une partie auquel les agents de chez Bunk, tous ceux qui travaillent pour Bunk, ont pris en charge que certains voulaient avoir ceci. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette UNAPT 26, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao, ciao, ciao.